Sans déconner, Mathilde, tu mets quoi dans ta valise? Je veux rien. C'est où la cuisine? C'est là. Ah oui! Ah oui! Vous les garçons, votre chambre est au premier. C'est vrai? Pardon. Non, non, attends. Jean-Mi? Ah, et il y a des draps propres dans les armoires. Ok. Oh, trop bien, je prends le lit du fond. Mais du coup, t'as pas de bagages, en fait, c'est ça? Et au niveau hygiène, Manu, comment tu vas faire pour... Jean-Mi! Ça fait des années que j'en avais pas vu. Non, mais pour se laver, en fait, te laver. Comment tu te laves, Manu? Il marche, en plus. J'ai toujours eu de la chance, moi. Fromage. Toi, la vodka. Il arrive quand, Lucas? Là, ce soir. Ils sont partis un peu tard de Paris, alors. Attends, d'où ils sont plusieurs? Avec sa nouvelle copine. Bah, attends, hein, c'est pas officiel, hein. Donc, putain. C'est qui? Bon, ça doit être une nouvelle groupie. Oh, le con. Il m'a dit que c'était une petite bombasse. Sérieux? Yes! Bah super! Bon, tu m'aides? Ouais. C'est dingue, hein, mais c'est tellement... Paumé? Ouais. On va être bien avec le petit. Qu'est-ce qui grandit vite? Et vous venez souvent ici ou pas? Bah écoute, dès que ses parents ils sont pas là, on en profite, ouais. Attends, mais moi je comprends quoi, c'est canon quoi. Ouais. Juste les tableaux de bébés angoissants là qui... Sinon, ça va, quoi. Bon, ça c'est sa mère ça. Sinon il est tard là, il faut pas tarder parce que je commence à avoir faim. Non, là, c'est... Ok, ah, bah, ouais. Ah, ouais. Soirée de l'ambassadeur. Non mais j'ai rien fait. C'est trop. Mais non, les coups de poche, t'es magnifique. Bon allez, on trinque. Ah oui. Allez. Hop, en vacances. Les vacances. Allez. À la vôtre. Allez. Allez. Ah d'accord, les cahuètes. Les cahuètes. Les cahuètes. Je m'en fous et je vous en laisse un peu. Ah. Ça va, man? Ça va, mec. T'as pris du bide, hein? Hey, on vous a pas attendu pour l'apéro, hein? Mathilde? Oh, et dis donc, maintenant, il fait babysitter, Lucas? Ta gueule! T'as un mec, c'est loin de ouf, sans déconner. Comment il va? Plus beau. Ça va? Salut. Ça va? T'es là aussi? Ouais, toujours. Salut. On passe à table? Ouais, ouais. Vous pourriez me buter à la raclette. Alors, regarde-moi ça, comme ça coule, là. En même temps, est-ce que tu connais quelqu'un qui aime pas ça? Bon, allez, tu veux un petit coup de rouge? Ah, moi, je veux bien, s'il te plaît. Chloé, si tu veux, on a du poisson pané. C'est le poisson carré? Oui, non, ça va, merci, c'est gentil. Ça pue, les gars, là, non? Ouais, Lucas, t'en es où, alors? Écoute, là, je suis en train de finaliser le prochain album. Je suis plutôt content, c'est bien ce qui se passe. Et alors, j'ai un truc. Normalement, c'est un secret, mais je peux vous le dire, on est copains. Je suis nommé au prochain People Music Awards. Nommé Merci. C'est génial. Allez, pour fêter ça, qui veut de la morteau? Non, moi, celle-là, je peux pas la refuser. Hein. Je me rappelle quelqu'un que j'ai très bien connu. Attends, ça veut dire que tu vas voir Patrick Fury? Je sais pas s'il est nommé cette année, mais oui, peut-être. Si tu le vois, tu pourras faire une photo avec lui pour moi. Ouais, carrément. C'est vrai? Ouais, carrément. Ouais, je te la passerai. Les gars, vous êtes sûr que le fromage il est pas daubé là? Parce que. Mais ça pue de ouf là! C'est... Je peux prendre tes pots de pommes de terre? Oui, vas-y. Merci, gentil. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Manu, tu peux remettre tes pompes s'il te plaît? De quoi? Ah non, t'es dégueulasse, Manu! Non, là. Quoi? Mec, tu bouffes pieds nus! Bah quoi? Mais tu t'es pris pour Yannick Noah ou quoi? Putain, sale porc! Sale porc! Mais non! Tu pues! C'est pas grave, c'est pas cool. Non, fait des randonnées. Non, Manu, tu ranges ça. On joue pas à table. Ah d'accord, donc on a le droit de rien faire. Oh, c'est pas le week-end, hein. La copération. Mec, pue quoi. Ouais, à toi, à toi. Ok, alors je suis un président sud-américain qui est né avant 1970.
Le mec, t'es sérieux, c'est super précis, c'est le premier tour là. Le village s'endort. Vache, la tête des meufs sur Tinder dans la région là, c'est pas possible, mec, on dirait faites entrer l'accusé, regarde. La meuf, c'est même pas joué. Allez, à Chloé. Vas-y, bébé. Je vais demander au loup-garou, et seulement au loup-garou, de se réveiller. Et de me désigner une victime. Je suis une femme. Non. Le village se réveille. Manu, t'es mort. Oh non ! Oh non, c'était toujours moi ! Mec, avec des dents comme ça, tu manges des gens. Non mais là, elle a mangé de la terre surtout. Bon alors, je vous ai rapporté un petit Dijot, là, c'est le Dijot du papy Alphonse. Ah ouais ! Attention, il déchousse un peu les dents, mais il est bon. Ah, celui-là, faut le déguster. Tiens, regarde. Non, c'est bon, merci, moi, je fais gaffe. Par contre, tu devrais faire pareil, parce que t'as... Hein ? Ah ouais ? Allez ! Allez, 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 chaud. Allez, 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 allez. Bon, allez. Allez, les amis, nous on est claqués, on va aller se coucher. Oh hey, on s'est tapé de la route et tout, on a bouffé comme des porcs, ça va. Mais... Oh, ah, je suis claqué, claqué. Non. Bonne nuit à tous. Non. Bah, demain, demain, on se la met copieux. Okay. Ouais. Allez, bisous. Allez. Allez. Bonne nuit. À mon avis, ils vont pas dormir tout de suite. Hein. Non, je pense qu'elle va prendre très cher. Et hey, Chloé, tu veux pas un Nesquik avant? Oh, il y a du Nesquik. Tiens, allez, je vais t'en faire un. C'est vrai? Non, je vais te faire pipi. Tu vas. Allez, vas-y, l'ambiance! Vas-y! C'est quand même bizarre, il lui parlait super mal, elle avait l'air d'avoir peur. Attends, mais il s'amuse, il a dû lui mettre dans le cul, elle a pas l'habitude. Non, parce qu'à un moment, il lui a dit, je vais te trouver un truc, ça va te calmer. Mm. Ah, peut-être qu'il a une valise remplie d'accessoires de cul, on sait pas. Avec du cuir, des doubles godes, du monoeil, un spéculum. Un spéculum, pourquoi pas une lampe frontale, tant qu'il y a, t'es bizarre, mec, vraiment t'es bizarre. Non, mais attends, peut-être qu'il est branché spéléo. On va arrêter de déconner. Je vous promets, on a entendu des trucs pas nets. Il se passe un truc. Et tu veux qu'on fasse quoi? Mais je sais pas, on pourrait aller voir pour vérifier. Attends, tu veux dire qu'il faudrait qu'on aille dans leur chambre, là? On va se marrer. Non, je suis sûr qu'elle dort toute nue. Écoute, ça peut te rassurer, oui, mais on fait comment? Je sais pas, l'air de rien. Faut qu'on soit discret. Mais tu vois, chérie, il n'y avait rien du tout, là. Il faisait des galipettes, c'est tout. Bon, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas fait la chose, la pauvre Mathilde. Oh. Mais c'est plus que ça fait. Mais ta gueule, toi. T'es con. Ouais, vous avez raison, j'ai dû me faire du film. Moi, j'avais cramé direct. Direct. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que t'es un gros spécialiste du cul, toi. Attends, mais je suis un docteur en branlette. Ouais, et qui a pas goûté les Dijot? Ah. Ah, ben voilà. Allez. Attendez, du coup, pas de Nesquik?
Non, c'est d'abord le petit déjeuner. Après le Nesquik, après. Oh, non, vous êtes pénibles, les gars. Mais déjà le Dijon. D'abord, on prend le petit déjeuner des hommes. Il y a quoi dedans? La mûre, myrtille, je sais plus d'où enchaîne. J'ai un mal fou à digérer la raclette, là. Quand je vais aller aux chiottes, elles vont porter plainte, c'est sûr. Pas toi? Ah non, moi, je chie que des arcs-en-ciel. Hein. Ah, salut, Chloé. Salut. T'as bien dormi? Ouais. Coucou. Salut. Ça va? Bonne tête dans le cul, là. Tu m'étonnes, vous êtes allé fort. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, t'aurais pas de l'arnica qui traîne à tout hasard? Ouais, je dois avoir ça, je sais pas. Tu t'es fait mal? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Chloé, parce que cette nuit, en dormant, j'ai mis un coup de coude sans faire exprès. Donc... Du coup, t'en as? Tu te fous de ma gueule? Quoi? C'est quoi ça? C'est toi qui as fait ça? Arrête de déconner, Mathilde, je t'ai dit, on dormait, j'ai mis un coup de coude sans faire exprès, et ce matin on s'est réveillé, on a halluciné. Ta gueule! C'est faux, je vous ai entendu hier. Quoi? De quoi t'as entendu quoi? Ça va, Chloé? Ouais, ça va. Viens, on va voir ce que j'ai. Ça va, les gars? Bien dormi? Mec? Écoute, on se connaît pas très bien, Chloé, mais personne n'a le droit de lever la main sur toi. Oui, je sais. Je vous ai entendu hier soir. Déjà, il a pas parlé comme ça. C'était juste une petite dispute, de rien du tout, ça, comme tous les couples. Non, il a été violent, il te parlait mal, c'est pas possible. Profites-en, on est toutes les deux, là, tu peux tout me dire. Non, mais faut pas se faire le film, ça va. Vraiment, tout va bien. Bah, ça se voit pas, là. C'était un accident. Non, mais les gars, vous avez quand même pas la croire, ça va, quoi. Non, mais vous y croyez? Mais c'est des conneries, quoi. T'as eu un petit creux pendant la nuit? Non, mais arrête, Mathilde, ça, c'est non, bon, je vais quoi. Trouver un truc, ça va te calmer. C'est con, hein, le froid, ça soulage, mais ça enlève pas les marques. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de déconner. Je t'ai dit qu'on dormait, j'ai mis un coup de coude sans faire exprès, j'ai le sommeil agité. Mais tu te fous de moi? Tu te fous de nous, là? Elle a la gueule défoncée! Lucas, t'es un sale con. Crache le morceau, là. Mais c'est rien du tout, putain, je vous ai dit, c'est pas fait exprès, ça! C'est pas comme si elle avait d'autres bleus, quoi! Sois enfoncé. Oh, putain. Mais c'est rien, ça, c'est juste QS Cogne, à marque vide. Ah, bah c'est... faudrait savoir. Je vous ai entendu hier soir. J'ai même entendu des bruits de baffes. Alors qui a frappé qui? Qui a frappé qui? Manu, t'étais là, toi aussi, dis-le. Ah, moi, j'en sais rien, c'est leurs histoires, hein, s'ils veulent faire des trucs... Bon, putain, je vous ai entendu. Alors, c'est toi qui te débattais ou c'est toi qui lui en collais une? Attends, je rêve. Hey, Jérémy, mon pote, on se connaît, écoute. Tu sais très bien que je suis pas un mec comme ça, je ferais jamais des trucs comme ça. Dis-lui, quoi. C'est rien, ça va. Je... Mais non, c'est pas rien, putain! Je les ai entendus, ces baffes! Mathilde... Alors, qui a frappé qui? Qui a frappé qui? Ok, allez. Ça me saoule. Tu viens, Chloé. Hey, oh. Attends, arrête. On fait quoi maintenant, du coup? Je pourrais lui mettre mon poing dans la gueule, déjà, ça va me détendre. Mmh. Bah, la violence par la violence, hein. De l'esprit. Hein. Faut appeler les flics. Non, mais je suis sérieuse. Mais arrête de déconner, c'est notre pote, quand même. Mais tu réalises ce qu'il a fait? Jérémy, il est en train de se foutre de notre gueule, là. On va pas appeler les flics, putain. Moi, je préfère passer pour une balance que pour un complice. Alors, sois bien clair,
tant que je serai dans cette maison, personne n'appelle les flics. Bon, je récapitule. Selon vous, les différents témoins, c'est son conjoint qui l'aurait frappé pendant la nuit, c'est ça? Et vous avez constaté ça au réveil? Oui. Et vu son hématome, ça confirme que ça a été violent. D'accord. Chut, ta gueule. Mais la jeune femme, elle dit quoi? Bah, pas grand-chose, qu'il s'est rien passé. Ah, écoutez, madame, si elle dit qu'il s'est rien passé, bah, c'est qu'il s'est rien passé, hein. Moi, je peux rien faire. Bah si, vous allez quand même venir pour leur poser des questions, non? Non. Non, bon, écoutez, de mon côté, à part enregistrer votre signalement, je peux rien faire de plus. Non, mais c'est dingue, quand même, vous êtes pas d'accord? Bah oui, mais ça, c'est le choix de la jeune femme, malheureusement. Hein. Si elle veut pas porter plainte, elle portera pas plainte, hein. C'est pas à vous de décider. D'accord. Bon, en tout cas, on a bien pris votre déposition, alors merci beaucoup d'avoir téléphoné, madame. Bonne journée. Putain, mais c'est dingue. Même les flics, ils s'en battent les couilles. Mais c'est pas les flics, c'est le système qui est comme ça. Ouais, bah c'est de la merde. Putain, j'arrive pas à y croire. Ouais, bah il serait temps de se réveiller, mec, hein. Attends, moi, ça fait 10 piges que je le connais, Lucas. Il a jamais fait un truc pareil. Bah, faut bien un début à tout. Vous êtes pas posé la question 2 secondes? Enfin, ça se trouve, il dit la vérité, il a pas fait exprès. Non mais bordel, oh! Vous avez vu la gueule de la meuf? Il s'est passé quoi, alors? Bah, clairement, tant qu'elle parlera pas, on saura rien. Mais moi, je te le dis, ça, là, ça pue. Cette histoire, elle pue. Mais pourquoi elle dit rien? Putain! Elle est hyper amoureuse, on est souvent conne quand on est amoureuse. Oui, puis elle est hyper fan de lui, hein. Donc elle boit toutes ses paroles, il a dû lui retourner la tête toute la nuit. Ouais, puis comme il est connu, bah, il a pas que la sache. Non, mais fallait y penser avant, hein. Mais être connu, c'est pas une excuse pour se comporter comme une sale merde. On peut savoir ce que vous faites, là? On se casse. Vous m'avez saoulé. Mais t'es sérieux? Hein, vous parlez de moi, là, vous parlez dans mon dos. J'aime pas ça, ok? J'aime pas! Ça dégage. Toi, tu te casses si tu veux, mais elle, elle reste ici. Oh non, je crois pas, non, non. Vous avez pas le droit de la retenir, ok? On fait ce qu'on veut. Mais t'arrêtes tes conneries, Lucas, là! Vous partez déjà, là? Tiens, note mon numéro dans ton portable. Non, non, ça va. Si, si, comme ça, tu pourras m'appeler quand tu seras toute seule. Ça va, je veux pas d'histoire. Quoi? Lucas, attends! Super le week-end, mon pote, hein. Merci pour l'ambiance. Je suis désolé, mec, mais je sais pas quoi dire. Bah, dis rien. En direct sur la scène des People Music Awards, le grand moment est arrivé. Vous avez voté en masse pour désigner votre artiste préféré. Tout de suite, on laisse la parole à Nadège. Et la révélation masculine de l'année est... Lucas ! L'année de tous les succès pour Lucas, un premier album qui a cartonné, une tournée qui affiche déjà complet. Lucas ! Merci à tous! Merci à tous mes fans! Tout ça, c'est grâce à vous! C'était beaucoup de...